Coucou tout le monde. Bon, comment ça va depuis tout à l'heure? Ben, moi, je suis un peu fatiguée, hein. Si, j'ai tout préparé, tout découpé. Mais maintenant, il manque la force dans les bras. Alors, je me disais pourquoi pas lancer une foire aux questions. Si vous avez des questions à me poser. Ou des suggestions, hein. C'est aussi valable. Donc, à me mettre en dessous la vidéo. Je crois que c'est le bon moment pour lancer ça. Voilà. Il fait pas soleil. Marqué, le jour se lève seulement. Il est 8 heures passées. Après, d'où je tire mes inspirations? C'est ce qui me passe par la tête sur le moment. C'est pour ça que je recommence les fleurs, parce que c'est pas ce que je voulais avoir comme rendu. J'essaie de ne pas faire comme les autres et puis voilà ce que ça donne une fois embossé. Déjà ça. Donc c'est un peu plus joli que tout plat. Alors, comment je vais faire pour les coller pour que ça soit interactif? Tout simplement, je vais coller que les pattes. Ouais, c'est un défi, mais je l'ai déjà fait. J'ai déjà réalisé ça. Bon, les fleurs étaient beaucoup plus grandes, hein. Ensuite, pourquoi un paperclip? Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Puis des grands comme ça, bon bah j'ai préparé des tags. Il n'y aura plus qu'à plier le tag et ça nous fait une étiquette. Voilà. Donc j'ai 6 tags. J'ai tout. Après, j'ai pas réussi à m'installer comme il faut, donc excusez-moi si je me bouge un peu de temps en temps. Alors, qu'est-ce que c'est comme maladie? On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une infection généralisée. Alors, là, je me suis fait deux boutons incarnés. Donc, celui-là, bah, il est vidé et désinfecté. Celui-là, j'ai eu beaucoup de mal à le faire partir. Il est en voie de guérison. Celui-là, j'ai un doute. Mais bon, je me désinfecte régulièrement le visage pour enlever toutes ces cochonneries.
Alors c'est peut-être allergique aussi, hein, ça je ne sais pas. Vu que je ne sais pas à quoi je suis allergique, hormis la lessive industrielle. Voilà. Puis le paquet de savon de Marseille, il coûte cher. Il coûte cher. Donc, tant que mes parents se chauffent au bois, je peux avoir de la cendre gratuite. Donc, en fait, ma lessive me revient à 0 euro. Sauf l'eau qui est comprise dans les charges locatives. Voilà. Eh ben oui, je fais ma lessive comme les anciens. J'ai pas le choix. J'y suis allergique. Donc, mais ça doit être les phosphates contenus dans la lessive. Parce que j'avais essayé de faire une lessive. Déjà, rien qu'avec du savon de Marseille râpé. Donc je m'étais embêtée. Et le jour où j'ai rajouté des phosphates, ça a été terrible. Donc j'ai donné le paquet à ma mère. J'ai dit, tiens, c'est à ça que je suis allergique. Je peux pas. Elle me dit, bon, ben, moi, je sais quoi en faire. Donc voilà. Et je supporte l'adoucissant puisqu'il n'y a pas de phosphate dedans. Voilà. Après, le reste, pollen, mimosa, c'est sûr. Ça, c'est réactif tout de suite. Ne pas m'offrir de mimosa. Sinon, je vous fais une crise tout de suite, tout de suite. Dès que... bah, tout ce que ça figure. Dès que c'est à côté de moi, ça y excusez-moi. Ça tombe. Et là, on est en plein dans les périodes d'allergie. Moi, ça commence déjà depuis le mois de février. Donc, c'est très embêtant. Et pourquoi je ne dors pas bien, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Et puis en plus de ça, j'avais très mal au ventre, donc je n'allais pas bien hier et avant-hier. C'était très pénible, je n'ai pas réussi à manger hier soir. Et puis bah, ça s'est débloqué ce matin. Donc c'est en bonne voie. Excusez-moi, je sais pas comment me mettre parce que... En fait... L'infection généralisée à cet endroit-là a fait une énorme cloque. Et... Bon, elle est vide, elle est sèche, mais c'est très douloureux. Ben oui, à cet endroit-là, voilà. Alors, vous
pouvez me poser des questions, je sais pas moi, combien j'ai d'enfants, comment ils s'appellent. Mes animaux, comment ils s'appellent. Je sais pas tout ce qui vous passe par la tête. Sauf pour ceux qui savent, bien sûr. Mes maladies, oui, mes maladies. Il y en a plusieurs. Aucune contagieuse. C'est déjà ça. L'infection généralisée, ça doit être auto-immune parce que j'ai toujours les globules blancs très élevés. Donc, j'aurais une prise de sang totale à refaire. Et puis donc voilà quoi. Donc mon médecin me suit de près, mais elle ne veut absolument pas me donner mes antidouleurs au mois. Donc là, j'ai fait appel à mon ancien médecin qui passe demain. Demain après-midi, donc il peut passer jusqu'à 7 h du soir. Enfin bon. Ça m'arrange pas l'après-midi, mais bon, je bouge pas de toute façon. Alors, à la question, qui m'a mis sous curatelle renforcée? C'est moi-même. Parce que j'avais trop de problèmes financiers. Et il n'y avait qu'une aide comme ça qui pouvait me sortir de là. Est-ce que c'est mon compte remonte un petit peu chaque mois? Voilà. Et en plus de ça, ils nous permettent d'économiser pour avoir des sous pour notre anniversaire pour Noël. Donc voilà. Ils nous restreignent un peu pour qu'on puisse avoir un Noël. Voilà. Et puis, comme je vous l'avais dit, hein, je n'abandonne pas le scrap parce que bah, c'est une de mes activités préférées. Et j'aimerais que ma sœur fasse une. On va passer un petit moment avec moi pour faire du scrap ensemble, mais bon, elle travaille, elle est à côté. Ils viennent de déménager, donc c'est pas évident. Voilà. Elle scrape depuis beaucoup plus longtemps que moi. Donc, je ne sais pas ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle... Voilà. Je ne sais pas où elle en est. Par contre, bon,
Peut-être que j'ai des dice en double. Je vais en donner un. Bon, à part les trois pandas que je me garde parce que c'est des petits pandas avec un trou. Donc, on peut faire des boucles d'oreilles, on peut faire un collier, on peut faire pas mal de choses. De plus, en simili cuir. Mais pas épais ni tramé. Tramé, ça fonctionne pas. Donc voilà. Je sais pas moi. Vous pouvez vraiment me poser toutes les questions qui vous passent par la tête, quoi. Voilà. Donc j'arrête la vidéo là. Et pourquoi j'ai des mouches? Non, mais je connais la source, mais il faut que je prenne un sac poubelle rien que pour ça, et puis voilà quoi. J'en ai eu une ce matin, mais il en reste une. Une ou deux même. Donc, oui, je vous laisse là parce que là, il faut que je me lève. Je vous dis à plus et voilà.